Et salut YouTube, de retour sur Elden Ring. Il se trouvait que je me demandais qu'est-ce qui se passait ici. Il se trouvait qu'apparemment un boss a besoin de se confesser. Ça tombe bien, on est là pour lui mettre sa fessée. C'est parti. Une nuit faible, hein. Oui, on va voir ça. On va voir ça. Bien, nous on est là pour distribuer des fessées. Après, comment ça va se passer? Bon, on va voir quoi. Ah oui! Bon, je suis sûr qu'il va être plein de surprises. Aïe! Voilà, déjà ça là. Ça. Aïe, la boîte en matinale, on a mal, hein! Aïe! Oula! Oh! Et oh, Jean-Michel, j'apprécie pas trop ce que t'es en train de faire, hein. Jean-Michel. Aïe! Faut pas que je fasse trop cette attaque parce qu'on a un recouvert de malade dessus. Et je peux pas m'empêcher. Aïe, ouh, Jean-Michel. Éridence. On va utiliser un sort de régène plutôt qu'un soin. Bon, on va se soigner, hein. On spoil arrière, on va se soigner, hein. Aïe. Trop de gris dansé, hein. Trop de gris dansé, cet homme, hein. Je reconnais ça. Hein. Aïe. Aïe. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Oh, par contre, il se donne. Il se donne. Oh, il se donne. Ah oui. Let's go. J'avoue, il était... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Ah, j'ai cru qu'on allait TP à des endroits absolument mirifiques, alors que pas du tout. Bon, mais petite fessée, tout est en bonne et due forme, là, on relance, on se fait. Ce que je vous propose d'autre... C'est... On va là-bas, mais cette fois, on y va à pied. Parce qu'il faut qu'on arrête de se TP. Certes, on a débloqué plein de TP. Mais c'est en allant à pied à des endroits qu'on découvre ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Allô mon cheval? Merci, putain. On est encore sur une journée où je vais rototer tout le temps. Je suis désolé, hein. Donc oui, en fait, c'est ici que va se passer le boss de cette région, quoi. Ah ouais? Oh, tant mieux alors, tant mieux. Parce que hier, j'étais dégoûté. Hier, en quittant stream, juste avant de quitter stream, genre j'ai touché au potard du micro et j'étais en mode putain, mais tu fais trop chier, quoi. Genre parce que j'étais en mode vu que tu me disais qu'on n'entendait pas, tu vois, je m'étais dit bah du coup c'est chiant parce que bah, t'as niqué tes réglages, quoi. Et bon, ça va. Visiblement, ils sont toujours bons. Parce que c'est vrai que... Bon, on ira plus tard, mais c'est vrai qu'il y a toujours une tour, là, comme ça, où on n'y a pas mis les pieds, parce qu'elle était... Il y avait plein de... Voilà, il y avait plein de homards, là. Et vous savez qu'homard me tue régulièrement, quoi. Hein. Je vous refais pas la vanne, mais vous l'avez, hein, vous l'avez chez vous. Hein. Ah ben bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux.
content d'entendre ça. Parce que moi, il y a rien que j'exècre plus que ça. En vrai, c'est vrai. Mais sauf que 3 secondes plus tard, après, je m'en fous, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais sur le moment, quand il y a un streamer qui me rote dans les oreilles, surtout que moi, j'ai un casque de monitoring. Donc, bon, bref, ce que je veux dire, c'est que j'entends tous les détails, quoi. De l'éruption de la personne. Sur le moment, je trouve ça horrible. Et bon, 3 secondes après, je m'en fous, quoi. Mais, donc, ça va, je veux dire, s'il n'y a pas mort d'orme. Mais je trouve ça quand même horrible, quoi. Bonjour messieurs, excusez-moi, je ne fais que passer. Bien sûr. Je ne suis pas là pour vous déranger, uniquement pour récupérer le loot. Ok. Le plan cul, on se barre. Il passe des trucs en face de nous. Hein. Comment on fait pour un... Bref. D'accord qu'on va dans la bonne direction là, oui, il faut aller tout au bout de ça. C'est ça. Le retour de Lelout. Putain, comment il s'appelle ton gars? C'est, du coup, pareil, je voulais faire une blague avec Lelouch. Claude, ah oui, c'est Claude Lelout. Putain, il faut, voilà, c'est ça. C'est Claude Lelouch. Claude Lelout. Ça marche aussi. C'est un peu une référence de boomer là encore, mais. Bon, allez, laisse tranquille. Hein. En vrai, je suis même pas sûr que. Est-ce que ça vaut. Est-ce que ça donne de l'XP ça? Enfin, oui, ça donne de l'XP, mais. Alors, on n'a plus de mana ni rien. Bon, en même temps, on a 3 barres. Allez, pourquoi pas, on peut tenter un truc. Juste pour voir. Ouais, je suis pas convaincu de ce sort, hein. Ouais, mais t'inquiète pas, moi j'ai une mémoire de merde, donc tu m'as le truc. Déjà, il faudrait encore que je regarde la série, là, les trucs, et moi, justement, j'ai une mémoire de merde pour ce genre de truc, donc bon, tu vois, tu m'as pas spoilé longtemps, quoi, tu vois ce que je veux dire. Oh là, là, ça sent les emmerdes, je devrais pas m'attaquer à ce gars, hein. Mais je le vois. J'ai envie de... Ah merde, il m'a vu. C'est bon, il m'a pas vu. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de PV, on n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de popo. Et on est juste, je vais pas l'éliminer sur ce coup-là. Ah si, peut-être. Ok, on va le respecter. Alors, pas de coup d'estoc parce que moi, voilà, mais moi les coups d'estoc je maîtrise pas. Voilà, fouh, merci. Il a été clément avec moi. Genre, vraiment, c'est vraiment ça. Hein. L'esquive de l'estoc. Alors, je sais que c'est pas là, hein. Mais maintenant que je suis ici, j'ai envie de voir où ça nous mène. Putain, mais on aurait pu discuter calmement, simplement, faire le bilan calmement. Et ils sont agressifs. Ils avaient certainement des trucs à se reprocher. Vous voyez, ils se seraient confessés. Vous voyez, comme Camille là, qui me dit qu'il a spoilé un truc hier. Voilà, mais c'est pardonné.
Direct, chaussée martiale. Direct, c'est pardonné. Non mais moi ça va en fait, si c'est pas un truc que je regarde, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc que je regarde, genre, tu vois, dans la semaine, ça va, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même l'avantage d'avoir une très très mauvaise mémoire de merde, c'est que même les jeux que j'ai déjà fait, ce que je disais sur le stream de Nimea, donc qui est un pote streamer qui fait Dead Space, qui est un jeu culte pour moi, genre je redécouvrais complètement lors de son stream, quoi. Non mais, si, non mais calmez-vous. ça veut pas dire qu'il faut voilà, ça veut pas dire qu'il faut ouvrir la porte, ouvrir le portillon de la grange, quoi. Est-ce que je veux dire? Mais c'est pas sortir les chevaux, quoi. C'était bizarre cette image. J'ai essayé un truc, quoi. j'ai essayé un truc. Ah. Ok, bon, on peut améliorer les fioles, mais ça ne sert à rien. Parce que genre à chaque fois qu'on prend des fioles, genre on n'a jamais, enfin, on est full vie, full mana. Bref. Et là, il se passe un truc, hein. Donc alors attendez, en partant du principe que ce serait pas là le truc, genre là il y aurait un... Ce serait le boss de la 3... Putain, je comprends rien. Je comprends rien à cette zone. Dans l'autre, elle était évidente dans sa lecture. Kim ! Voilà. Cette fois, avant d'engager le combat, tu te confesseras. Ah oh, mais voilà. Oh, mais je suis obligé de sévir après. Oh. Oh. Ah oh, ouais, d'accord. Maintenant, il y a des gars à cheval. C'est des gars lambda. Aïe. Oh. Yo, 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 yo. Ah mais c'est... Ah mais en plus il faut... Oh ouais. On se casse, Jeff Bezos. Ça suffit, hein. Quoi? Mais une autre porte de je sais pas trop quoi là. Et déjà qu'on sait pas ouvrir la première. Mais JPP de ma vie, quoi. Quand je parle de JPP, je parle de Jean-Pierre Papin, hein, pas de Jean-Pierre Pernaud, hein, bien sûr. Hein. Qu'on soit bien d'accord. De clé de pierre d'éclat, voilà, c'était pour ça. Ah non, mais toi, tu parles de Jean-Pierre Pernaud, du coup. C'est vrai. C'est une piste, Jean-Pierre Pernaud. Your fingers, please, your fingers. Entrez-vous, hein. What a pity it is to be without the right. All you can do is stand at a loss, without even the half crescents that wish to be whole. Before the unmoving, unfeeling grand lift ahead. Ah, donc c'est ça le grand ascenseur. Et comment on fait les clés de pierre d'éclat? Or are you planning to throw yourself to the waters? To find the coward's passage through the dim cavern? Ah, y a une vibes. Non, donc du coup, elle est en train de me dire que la caserne, le truc que je cherche, c'est ce qu'il veut. Oh là là, mais j'ai envie de savoir. I need to know! I fucking need to know! Attendez, on l'a pris, ce truc-là? Non, on l'a pas pris. Enfin, si, oui, peut-être. Enfin, si, on l'a pris, mais on ne s'est pas reposé dessus. Reposons-nous dessus. Ah, mais c'est mon pote! Bok the Seamster, at your service, master. Ready to make adjustments to your garments. Ouais, mais tu peux rien laisse tomber. Going so soon? Please do be safe on your journey. Et composer le tissu. ok, bon.
Bon, les mystères sont de mise, hein. Les mystères s'épaississent. Bon, alors le problème, c'est que là, ça se trouve, on va aller dans une grotte qui va nous permettre d'accéder à notre endroit, mais dont on n'a pas réellement envie, parce que, bon, bah, en fait, ce serait un espèce de raccourci dans le scénario. Quoi ? Mais putain, mais il y en a de partout maintenant. Avant, on en rencontrait une fois de temps en temps, maintenant il y en a de. Attendez, est-ce que vous pensez qu'on peut réellement descendre par là ? Est-ce que this is the way? Il y a des gens qui sont morts là. Hein. Essayez de pas faire de conneries. Oh là là. Ouais, voilà pourquoi j'aime pas les jeux de plateforme. En plus, putain, on est con parce que. Genre, j'aurais pu équiper le sort qui nous permet de réduire les dégâts de chute. Hein. J'aurais pu faire ça. Hein. Ah! Ah, ça veut dire que ça nous arrangeait pas tellement de passer par là, quoi, hein, en fait. Maintenant qu'on le met. Bon, maintenant on le saura, mais. On pourrait remonter par là, est-ce que. Ah mais on va faire le tour du littoral, là c'est bon. This is the way. Putain par contre... On va aussi peut-être... genre aller à la comment ça s'appelle, aller à la caverne et ensuite se TP à la table ronde pour peut-être XP un peu nos armes, hein. Parce qu'on a quand même parce qu'on a là sur la session qu'on a fait juste avant, on a quand même pas mal récupéré de. Dame. De pierre de forge, pas du tout. Le mec, il ne trouve pas ses mots. Ok, on continue. Là, j'ai pas toute ma vie. Bon, par contre, rien ne peut nous détourner maintenant de notre mission. Hein. Le mec, il dit ça, vous allez voir. Dans quelques secondes, on va se laisser détourner par notre mission. Je le sens venir. Attention. J'arrête. Ce qui est bien, c'est que la musique est absolument pas angoissante. Hein. On se met bien là. Hein. Là, on se met bien. Hein. Bon, en vrai, ça va parce que du coup, en vrai, genre 100 fois moins. L'environnement est quand même 100 fois moins angoissant que quand tout à l'heure on affrontait des mains araignées, quoi. Des araignées mains, des araignées doigts. Bon, bref, c'était un sacré concept, quoi. Oh là là, mais putain, des pierres de forge exceptionnelles là qu'on est en train de récupérer là depuis tout à l'heure là. Par contre, qu'est-ce qui se passe ici, quoi ? Et voilà. Arrivé à la. Attendez, est-ce que. J'aimerais comprendre. Est-ce que la mine est là-haut là ? Où ? Comment savoir ça ? Parce que bon, en même temps, je vois pas trop où... Attendez. Et que part, je vois pas trop où elle pourrait être. J'ai l'impression que c'est une mine en hauteur, là, du coup. Il serait imaginable que l'entrée de la mine soit en hauteur. Bon, ça paraît pas très pratique. Hein. En soi... Mais ça paraît imaginable.
attends, attendez. Est-ce qu'on peut se calmer au niveau de la musique angoissante, là, s'il vous plaît, là? Est-ce qu'on pourrait pas avoir, je sais pas, la musique de des Teletubbies, un truc comme ça, un truc un peu plus détente, quoi. Un truc un peu plus tranquillou, quoi. La musique des Pokémon, voilà, un truc tranquille, quoi. Et bonjour. Aïe, aïe. Ouais. Vous allez me dire que là, il y a des créatures pieuvres ici, là. Je déteste ma vie, hein. Ah, c'est vrai qu'un petit concert des enfoirés, là, ça nous mettrait bien, ça serait plus détente, quoi. Donc, il est loin, au moment où je disais, ce serait bien, ce qui serait bien... Bon, en même temps, putain, attendez, on va récupérer un maximum de pierres de forge ici. Je disais, oui, aller récupérer, aller à la table ronde pour améliorer nos armes, hein, ce serait quand même pas mal. Hein. C'est vrai que j'ai dit ça à un moment, quoi. Mais bon, maintenant qu'on est là, bon, et qu'on va récupérer des pierres de forge, bon, c'est un choix qu'on peut remettre en question. En soi. Parce que la musique, c'est une musique que je pourrais trouver vraiment sympa si on était en plein milieu, si on n'était pas en plein milieu d'une mine complètement. Ok. Il m'a offert son dos, quoi. C'est beau. Oh, la caméra, Jean-Michel, la caméra, s'il vous plaît. Caméra 1, caméra 2. Ouais, mais moi aussi je peux sauter là dans les airs là. Tu n'as pas la primeur des sauts acrobatiques. Hein. Je veux dire, on a été à l'école Pinder bien avant toi. Hein. Non mais. Ah là là, faut tout leur dire. Hein. Tout leur dire là. C'est pêcheurs là. Ils veulent pas se confesser. Mais laissez-moi tranquille. Ah! Oh! Encore! J'en reconnais un là. J'en reconnais un qui veut pas se. Mais putain, mais genre JPP quoi. Genre c'est les ninjas de Naruto quoi. Ok. Platine maintenant? Platine? Et on a qu'à descendre alors. Ah, ou monter, hein. Moi, vous savez, je suis pas raciste, hein. Je vais remonter et descendre, vraiment, hein. je suis pas distingo, hein. Alors, attendez, parce que on me dit à l'oreillette que j'ai raté des trucs, hein. Donc, on va appuyer ici, là, hein, et on va essayer de... Le problème, c'est que ça va vite, hein. Il va pas falloir se louper, hein. Ah ben c'est loupé ça. Oh, et pas mal. En vrai, pas mal. En vrai, on a transformé un fail en Epic Win, quoi. En vrai, bon, par contre, comment on remonte, comment on redescend, ça... ça, je vous laisse... Bon, par contre, ce qui serait bien, c'est ce heal un peu, hein. Ok, c'est bon. C'est bon, on est un grand athlète. Les sauts de cette envergure ne nous dérangent pas. Bon, par contre, on est un peu déjà à l'article de la mort. On est full empoisonné. On a deux emplacements de sorts pas utilisés. Je veux dire, moins optique que ce qu'on est en train de faire, c'est difficile, quoi. C'est vraiment difficile de se mettre autant de bâtons, de se mettre plus de bâtons dans les roues que ce qu'on a actuellement. Hein.
Du coup... Ah, par contre... Par contre, on a de la mana. Ça, c'est pas mal. Du coup, on va rester quand même sur le truc de vie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se régène. On va se régène. Fuck. J'ai voulu... Fuck. Oh, putain. Il est là. D'accord. Ensuite, moi, vous savez quoi? Ici, là, dans les donjons, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand même, sachant que normalement, on peut rééquiper, vu qu'on a un truc, moi, j'aime bien être bouclier, quoi. Après, est-ce que le bouclier, du coup, on le mettrait pas? Pas peine du bouclier à droite. Si. Ça va me perturber, ça, non? Parce que c'est vraiment une si bonne idée. Parce que j'avoue que devoir naviguer là sur la main de gauche plusieurs fois, ça, je trouve ça un peu chiant. Aussi. On va faire ça le bouclier, plus de survivabilité avec le bouclier. Et bonjour. Attendez, lui il a pas l'air au coopératif. Voilà, voilà ce que je fais des gens pas coopératifs, moi. Voilà! En vrai, il nous faut de la vie, hein. Parce que, comme je vous dis, le truc, c'est qu'en vrai, on fait des énormes dégâts, mais genre, on se prend des énormes patates aussi, hein. Genre, après, c'est... Si on tenait une pataterie, y aurait pas de soucis, quoi. Mais bon. Étant donné qu'on en fait pas notre bise. C'est pas ouf, quoi. Oh, monsieur. Oh, monsieur. Encore quelqu'un qui voulait pas se confesser, ça. Hein. On reconnaît, ça. Hein. Tous les mêmes, hein. Oh. Oh là là. Oh. Oh, y a une bonne bande de... Aïe, je suis en face roll. Ma vie, c'est de la merde. J'ai un bouclier, je l'utilise pas. Alors là, vous avez une magnifique performance d'un prototype 42 dans une main. Voilà, là c'est terrible. Là, ce spectacle qui vous a été donné offert par la chapelle de la confrérie est absolument terrible. De terribles images. Il est temps, tant pis, d'upgrade nos armes. On va peut-être pas les upgrade autant qu'on le souhaiterait, parce que dans peu de temps, on va avoir... Ah, mais on n'a pas d'âme. Ah, mais on a peut-être assez récupéré d'âme. On va être inventaire pour pouvoir faire quand même quelque chose. Oui, ça devrait le faire. Parce que oui, on met des grosses patates. Mais bon, autant mettre de plus grosses patates encore. Si, vu qu'on en prend des énormes. Bon, problème réglé, on n'a pas pu faire grand chose. Toi, tu. Ouais, toi, tu XP les invocations. Merci. Ça fait plaisir de savoir qu'on n'est pas jugé. Alors attendez, parce que du coup. Merci beaucoup. Comment ça, j'ai pas... D'accord. J'ai envie de manque du muguet mortifère T4.
Il n'y avait pas qu'il y avait des tiers pour ce genre de truc. Ok. Ok, ok. Donc là, ce que je propose, c'est de assigner nos sorts. Donc là, on va mettre le anti-poison, hein, je peux vous le dire. Là. C'est pareil, putain, mais genre... Oh, je suis débile. Hein. Je viens de me rendre compte que bon, ça va qu'on n'a pas trop galéré sur le boss là de tout à l'heure. Mais quand même, sur le boss de tout à l'heure, on aurait pu 100 fois mettre... vous voyez, j'ai un sort qui nous permet de résister à la magie, quoi. Le renforcement magique. Augmente la résistance aux dégâts magiques. Jamais on a utilisé ce sort. Alors que je l'ai acheté en me disant, putain, ce sera utile, hein. Voilà. Ce sera utile, hein, j'avais dit. Sauf qu'on n'utilise jamais. On n'utilise jamais les bons sorts au bon moment. La vie, c'est de la merde. Bon, c'est pareil. Bon, ça, là, je suis pas convaincu au final. Hein. On a mis des points en ésotérisme pour pouvoir tester ça. J'ai un peu l'impression qu'on s'est fait arnaquer, quoi. Hein. Alors ça, ça a l'air insane, sauf qu'il faut 41 fois. Bon, c'est pas pour tout de suite, ça. On pourrait tester ça aussi. Ah, et sinon... On pourrait tester ça. Et sinon, je me dis, comme dernier sort, on pourrait mettre ça, parce que... Crée des zones de ténèbres qui dissimulent l'utilisateur. Ouais, c'est parce que j'ai testé hors-off, ça c'était pas ouf, parce que la zone de ténèbres, ils ont consacré une zone de ténèbres, quoi. Donc ça te dissimule là où t'es, mais... Là, on va prendre approche d'assassin, parce que comme je le dis, ça réduit les dégâts de chute, et ça c'est quand même pas mal en soi. Et voilà. Oh voilà. Allez, c'est reparti. Tu parles, il y a un scarabée, hein. Je sais pas si je me rappelle. Ah voilà, il y a. Oh j'en. On n'est pas tout seul. Je sais même pas ce que j'ai débloqué du coup. Et on va mourir comme un connard. Parce que... Oh, oh, oh ma vie, c'est tellement de la merde. Bon. Faut se dire que cette vie à âme, en vrai, c'est pas grand chose. En vrai, c'est pas grand chose. Parce qu'on a besoin de 25 000 maintenant pour XP. Bon, autant vous dire que... On est pas ça prêt. On va dire qu'on est mort pour la bonne cause. Maintenant, on dit à chaque fois... I'm free, yeah, like a river. Là, nous sommes complètement libres. Parce qu'on n'a plus le poids des âmes qu'on portait jusqu'à présent. Voilà. Merci de ne pas me juger. Je n'ai plus d'âme. Voilà. C'est une... Un jour, on a des âmes, le lendemain, on n'en a plus... Je veux dire, c'est comme l'argent, ça va, ça vient. C'est pas ça qui nous définit, quoi. Et donc, oui, on disait, utiliser son bouclier, c'est bien quand on est submergé, hein. Attendez, parce que ce qui moi, me bute... Ah, c'est gentil. C'est très gentil. C'est très très gentil de votre part. J'apprécie énormément. Ce que je comprends pas, hein, c'est comment on a réussi à se faire... Mais je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Moi j'ai utilisé le shield comme petite table basse. Justement, quand tu es au niveau du feu, là, comme ça, tu te mets bien, là, tu sais, tu as une petite table basse, là. Parce que, bon, on n'est pas des sauvages, quand même. Hein. Mais il paraît que ça pourrait aider à se protéger. Mais bon, ça, c'est peut-être une fake news, hein. C'est ce que c'est, hein. Qui travaille dans le journalisme, hein. Les fake news, tout ça, voilà, hein. C'est quand même monnaie courante, hein.
Je serais pas étonné d'ailleurs que ce soit une fake news. Hein. Ouais. Hein. Mais yes. Mais j'adore ma vie. Heureusement, on est préparé à cette situation. Fuck, mais maintenant on a tellement de sorts que c'est la merde en fait. Hein. Eh ben yes. Eh ben super. Les embuscades quoi, on se fait embusquer par des nabos quoi. Sortons notre bouclier, parce que le bouclier il paraît, alors bon comme je vous dis hein, c'est une fake news, mais il paraît que ça protège hein. Il paraît que c'est pas trop mal comme fonctionnalité. Allez, à tous les coups, donc combien il faudrait, et là il faudrait faire une prédiction, donc combien de combien de pièges de poison on va encore se prendre à la fin du donjon. Je suis sûr on va s'en prendre plein. Quelqu'un qui a décidé de s'astiquer plutôt que de se confesser. Il me fatigue. On leur propose le pardon, l'absolution, tout ça, et ça préfère s'astiquer, quoi. C'est chic. Ma déception est grande, hein, toujours. Alors attendez, mais ils sont cachés où à chaque fois, là? Ah, il y en a là. Ouais. Hein. BS. Ah, j'adore ce qui vient de se passer là. Là, vous voyez, là, je suis très extrêmement heureux. Ok, ok. C'est pareil, les autres, ils sortaient d'où? C'était eux là qui, ils étaient que deux tout à l'heure? Voilà. Quelle surprise. Et voilà. Et voilà. Allez. Exceptionnel. Exceptionnel. Constat. Trois pièges pour le prix d'un. Le problème, c'est que je les vois pas à chaque fois. Genre, trois pièges pour le prix d'un. On aime ça. On aime ça, là. Alors, attendez, parce que c'est vrai que là, on est en roulade lourde. Là. Donc, c'est terrible, ça aussi, hein. Comment faire? Est-ce qu'on se déséquiperait pas de ça le temps de faire ce donjon? Ah, c'est exactement ça, quoi. Voilà. Discount sur les pièges de poison. Ma vie, c'est de la merde. Regardez-le, là, comme il est planqué, là. J'arrive même pas à faire une élimination, quoi. Ah ouais, c'est la planque. Ah, t'es moins planqué, là, hein.
Voilà. Fuck, enfin, quoi. Ok, donc. C'est pour qui, mon Kikyo? Est-ce que c'est un bait? C'est un bait! Ah putain, mais genre, mais pourquoi je fais pas plus confiance à mon instinct, quoi? Mais. Genre, je le colle. Je déteste ma vie, hein. C'est officiel, hein. Je le colle. Et je me le prends comme un connard, quoi. Allez. In the Follies. Et non, qu'est-ce qu'on voit là? Moi, juste l'entrée du... Ok, ok. C'est une. Se reposer quand même, parce que j'allais partir en mode tout va bien alors que rien ne va. Est-ce qu'on peut monter? Non, je pense pas. Je sais plus à combien de trucs on a. Alors, bon, YouTube, hein, j'ai complètement perdu le... Le fil du temps, là, hein. Dans le doute, on va arrêter ce VOD ici, hein. Heureusement, hein. Ah, une dose a été... Let's go, on aime ça, hein. On aime ça, YouTube. Bon, un maximum de bisous sur vos fesses gauches. À très bientôt pour la suite de nos aventures dans ce donjon à ciel ouvert qui va nous permettre d'aller à un endroit où on n'a pas du tout envie d'aller. Voilà, c'est le plaisir masochiste de ce jeu absolument exceptionnel. Toi aussi, apprends à devenir maso en jouant à Elden Ring. Allez. See you next time. Ah oui.